Bon, on est sur une Frisquet, une Hydromotrix 32 kW de 2001. Alors là, on a le type de panne qu'on peut avoir après un entretien. Je viens de terminer l'entretien sur la chaudière. J'appuie. La chaudière repart. On voit qu'elle repart pendant quelques secondes. Le gaz s'embrase. Et en fait, c'est lié à ce qu'on appelle un défaut d'allumage, c'est la sonde d'ionisation. C'est la sonde d'ionisation ici qui est censée capter une micro-intensité présente dans la flamme. Qui met en sécurité la chaudière. Pourtant, lorsqu'on y regarde de près, les flammes, elles touchent bien la sonde d'ionisation. Et le gaz s'embrase bien, mais au bout de 3-4 secondes, elle se met en défaut. Donc, je viens de faire l'entretien, la chaudière fonctionnait correctement auparavant. Quelle est la seule chose qui a changé entre maintenant et tout à l'heure? La prise de courant qui est ici. La prise de courant qui est ici. J'ai débranché la chaudière pour l'entretien en la rebranchant sur la prise qui est à côté. Et là. Je redémarre. Et on voit que la chaudière ne tombe plus en panne et que là elle tient. Quelle est la raison pour laquelle, pour quelle raison sur cette prise on tombe en panne et sur celle-ci on ne tombe pas en panne? C'est qu'en fait ici le courant est inversé, la phase et le neutre sont inversés et donc le courant passe à l'envers dans la chaudière, ça perturbe le courant d'ionisation au niveau de la sonde d'ionisation et sur ces chaudières frisquées. Sur tous ces modèles de chaudières Frisquet et sur la gamme précédente, les chaudières tombent instantanément en panne. C'est une panne également qui peut, alors c'est une panne qui peut survenir si vous faites le ménage, que vous changez de prise et que la prise d'à côté est inversée. C'est une panne aussi qui peut survenir si on vous, qui peut survenir lors d'un changement de compteur électrique. Si la personne qui change le compteur électrique inverse les fils au moment du changement du compteur électrique, ça m'est déjà arrivé, ça inverse naturellement le sens du courant dans la prise du courant à ce moment-là. Voilà, voilà tout.